Si tu m'écoutes encore à la fin de cette vidéo, tu fais partie des 99% des plus intéressés, car ici je vais te parler de comment calculer le prix d'une portion pour savoir comment calculer le prix de vente d'un plat. Le prix que tu vas mettre sur la carte si tu préfères. Pour que tu comprennes plus facilement, je vais me munir de mon téléphone. Première chose à faire, c'est de déterminer le coût d'une seule portion et pour ça, je vais te montrer à l'aide du tableau. Dans la première ligne, je rentre tous les ingrédients, dans la deuxième, l'unité, kilo, etc. Et dans la troisième, les quantités. Et à côté, c'est le prix unitaire hors taxe. C'est ici que j'inscris le prix pour une fois ma quantité. Approche-toi, c'est bientôt fini. Et enfin, la dernière ligne, c'est le montant hors taxe. Pour ça, tu vas venir calculer la quantité fois le prix unitaire et ça va te donner le résultat du montant hors taxe. Pour le coût total des denrées, tu vas venir additionner toute ta dernière colonne et ça va te donner le résultat. Dans les ingrédients, il n'y avait pas l'assaisonnement. Donc là, on va rajouter une colonne avec un assaisonnement de 2%. Pour le calculer, tu vas prendre le coût total fois 2 divisé par 100. C'est un petit produit en croix, c'est simple à faire. Tu additionnes ces deux résultats et ça te donne le coût total avec l'assaisonnement. Pour finir, il nous faut le coût total d'une portion. Donc tu vas prendre ton résultat divisé par le nombre de couverts que tu fais. Abonne-toi pour connaître le prix de vente d'un plat, je te le dis la semaine prochaine.